Salut à toi qui regarde cette vidéo. À toi qui te sens mal. À toi qu'on peut plus de cette vie. Tu te refuges dans la mutilation, tu te fais du mal. T'enchaînes les tentatives de suicide. T'as personne à qui parler. Et dans ta famille, personne ne te soutient réellement. Mais sache que tu n'es pas seul. Sache que moi aussi je me suis fait mal. Sache que moi aussi j'ai pensé au suicide. Sache que moi aussi je suis tombé dans l'alcool, dans la drogue, la cocaïne. J'étais perdu dans ma vie. Plus rien motivé et j'en avais marre de ma putain de vie tout simplement. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te dire que tu n'es pas seul. Et si moi j'ai réussi à m'en sortir, tu peux t'en sortir. Je dis pas que le suicide n'est pas une solution. Mais c'est pas la meilleure solution. Et avant d'envisager cette possibilité-là, essaye de réaliser tes rêves. Fixe-toi des petits objectifs chaque jour. Va sortir, profite, voyage, prends le train et va dans une ville que tu n'as jamais été. Et fais-toi du shopping, fais-toi plaisir. Profite des petits plaisirs de la vie qui peuvent te faire énormément de bien. Je suis sûr que t'es quelqu'un de bien, je te connais pas. Mais si tu veux me parler, n'hésite pas. T'as ma page Facebook Nicolas Hope ou mon Snapchat et tu peux venir parler quand tu veux. Car moi-même, je suis passé par là et moi-même, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en psychiatrie. Aujourd'hui, j'ai un traitement et je vois un psychologue chaque semaine. Et puis surtout, j'ai eu le déclic de reprendre ma vie en main. Et si j'ai réussi à faire ça, vous pouvez le faire aussi. On peut tous s'en sortir. C'est pas parce que ton passé est un passé de merde que tu auras forcément un avenir de merde. Et garde les gens qui t'apportent quelque chose dans la vie, les gens qui croient en toi, les gens qui veulent ta réussite et pas ceux qui veulent ton échec, les gens qui veulent t'aider et pas ceux qui te regardent couler. Car je suis sûr que tu peux avoir une très belle vie. Tu pourras rencontrer de très belles personnes. Peut-être si t'es célibataire, rencontrer un ou une copine qui pourra te changer ta vie, te faire énormément de bien. Moi aujourd'hui, je regrette de m'avoir fait du mal. Je regrette d'avoir fait plein de tentatives de suicide et d'avoir blessé ma famille. Car évidemment, ça fait mal de savoir que ton fils ou ton frère se fait du mal et tombe dans la drogue. En plus de te faire du mal à toi, tu fais du mal à ton entourage, aux gens qui t'aiment. Alors sors de chez toi, profite de la vie, voyage, découvre le monde peut être magnifique, la vie peut te réserver de très belles surprises. Alors, te fais plus du mal, et s'il te plaît, crois en toi. Car moi, je crois en toi. Même si je te connais pas, je crois en toi. Je sais que tu es capable de beaucoup de choses. Je sais que tu te détestes, que tu n'aimes pas ton corps, que tu es complexé. Mais sache quand même que les plus belles filles ou les plus beaux mecs du monde sont complexés. Et si tu trouves que tu as un peu des kilos en trop, fais du sport. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Il y a toujours moyen de changer la personne qu'on est. Et fais de toi une personne formidable, car tu es formidable. Alors profite de la vie. Et à plus dans une prochaine vidéo, mais s'il te plaît, ne te fais pas du mal.